Et coucou vous, comment ça va? Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 juillet 2022. Il est 12h57. J'ai un rendez-vous à 14h. Je ne suis pas prête et je n'ai surtout pas mangé. Donc il va falloir que je m'active un petit peu, un petit peu. Mais je vous prends pour un petit vlog entre guillemets. Je vais juste filmer sur aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui ou et demain. Je vais voir, mais là j'ai reçu mes deux commandes Pop My Nails. Donc je voulais vous montrer ça rapidement. Et j'ai aussi reçu la trousse de mon grand. Et vu que je vous ai montré toutes ces fournitures, voilà. Je voulais vous montrer sa petite trousse pour mettre ses crayons normaux, là. Pas crayon couleur, pas crayon feutre, tout ça. Mais voilà, elle est super sympa, j'aime bien. Je vous dis, il est dans sa folie, smiley à fond. Donc elle est comme ça à l'avant et puis comme ça à l'arrière. Donc il va kiffer. Ça c'est pareil, il l'avait commandé avant de partir. Donc il va être content quand il va rentrer. Et puis je voulais vous montrer mes deux commandes Pop My Nails. J'ai commandé avec un code réduction de 25% cette commande-là et 50% la seconde. Je vais vous montrer ça rapidement. Pop My Nails, c'est un site sur lequel on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de vernis, que ce soit vernis semi-permanent, vernis normal et des faux ongles, donc des kiss, impress et à coller, et voilà, des soins, etc. Il y a même des box. Moi, je commande exclusivement des faux ongles. Vous savez, je pose très régulièrement des capsules comme ça, donc je prends presque tout le temps que de la marque Kiss, mais j'en ai testé un autre là, vous allez voir. Là, j'ai pris les deux à coller et à impress. Je vous montre ça tout de suite. Donc, ça, c'est la commande 25%. Je vais vous montrer tout de suite les impress parce que j'en ai pris moins. Bon, faut savoir quand même que les impress collent moins longtemps que les avec la colle, hein. Mais ça dépanne, ça se fait en 30 secondes. Franchement, il n'y a pas photo, quoi. Donc, j'ai pris la gamme standard. Ça, c'est la gamme de base, hein. Les impress comme ça en forme amande. Je reçois que des messages vocaux depuis tout à l'heure de ma meilleure amie. Si tu vois cette vidéo, toutes les vibrations que tu entends là, c'est toi. Donc, on a ça avec des petites fleurs. Je les ai déjà pris ceux-là et j'adore. Et puis ensuite, j'ai pris deux couleurs, une couleur lilas et une couleur crème. La couleur exacte, c'est... Alors, j'ai point pink et picture purklet. Donc ça, c'est les gammes Impress Color de Kiss. Voilà, en forme carré court. Ça, c'est pareil, hein, pour dépanner, c'est parfait, parfait. Là, moi, j'ai tout coupé. J'en avais des Impress là pendant quelques jours. Et là, j'ai tout coupé, tout limé, tout nettoyé. Parce que cet après-midi, je vais faire une pose de faux ongles maison avec du semi-permanent. Oui, je vous montre ça et moi, je vais faire une pose autrement. Oui, c'est moi ça. Ça, c'est moi dans toute ma splendeur. Ensuite, j'ai pris 5 boîtes comme ça. Alors, ça peut vous paraître beaucoup parce que les deux cumulés, ça fait énormément. Mais là, j'en ai pour quelques mois. Hein, donc, les longs, à coller, je prends tout le temps des plus grands parce qu'on peut les limer à notre convenance, ça bouge pas. Que les impress, c'est plus compliqué de les limer si vous voulez les raccourcir et tout. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a la double face en dessous. Que là, il n'y a aucun problème, vous pouvez les mettre à votre taille sans souci. Donc j'ai pris un dégradé de rose comme ça avec les nail art en paillettes. J'ai pris du bleu comme ça avec les paillettes or. Un bleu clair. Voilà. Je vais pouvoir tout ranger, c'est formidable. J'ai pris des longs comme ça en lilas avec les nail art un peu couleur champagne. Voilà cela. Encore des roses mat, roses chrome, des roses chrome là. Et puis des couleurs un petit peu dorées. Voilà.
Et les derniers, tout en strass comme ça, or. Ça, moi, j'aime bien une soirée, un imprévu, etc. Ça, c'est parfait, ça fait l'affaire. Et ça fait son petit effet. Voilà, pour cette commande-là, le seul souci que j'ai eu avec ces commandes, c'est la lenteur de la livraison. J'ai mis bien 3 semaines pour être livrée à chaque fois des 2 commandes. Alors moi, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup parce que autant être livrée 3 semaines après pour une commande chez Shein où on sait de où ça vient, voilà. Là, c'est un site français. J'ai pas trop kiffé, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est arrivé, on va pas se plaindre. Et hop, ça, c'est la commande à 50%, je me suis lâchée. J'ai commandé une paire de Techniques, hop, comme ça, des stilettos. Techniques, j'ai déjà commandé la dernière fois, justement, pour l'anniversaire de mon petit. Si vous allez voir sur Insta, il y a une pose de stilettos comme ça. C'était un peu léopard parce que le thème, c'était la savane. Et donc, j'avais fait une pose comme ça de Techniques et ils ont bien tenu. C'est pas ce que je préfère, ils sont très fins, ils sont beaucoup incurvés et c'est pas ce que je préfère. Mais franchement, c'est pareil pour dépanner, ils sont pas mal et surtout, ils ont des dessins voilà, que Impress ne font pas. Donc, ensuite, je vais vous montrer deux par deux. Bah, de toute manière, ça j'en avais pris deux parce que c'est pareil, je les avais déjà eus et je les aime beaucoup. Voilà, donc on a les Nail Art ici. On a les roses et encore des nail art en paillettes comme ça. Cette pose-là est très très jolie. Pour été comme hiver, franchement, je l'aime beaucoup parce qu'un rose comme ça, basique, moi j'aime beaucoup. Ensuite, après je reste tout le temps plus ou moins dans les mêmes coloris. Et là, 50% de remise, ça fait que ça fait... J'ai payé à peu près 3,54€ la boîte. Les plus chers, j'ai payé 5€. Donc 5€, vous pouvez... Moi, je fais 2 poses avec une boîte. Donc ça fait 2,50€ la pose. Hein. J'ai envie de dire... hop. Donc celle-ci, on l'avait juste avant. Et celle-ci, une monochrome beige comme ça. Hop. Très jolie. Ensuite, on a encore les mêmes lilas, les mêmes roses. Vous voyez, j'ai repris, j'ai fait mon backup, hein, franchement. Voilà, ça c'est pareil, j'en ai encore une de cette, de ces motifs-là, mais je l'ai reprise. Les chromes comme ça, je ne les mets pas, je ne suis pas trop fan, mais les autres, ils sont très très jolis. Donc, hop, voilà pour celle-ci. Ensuite, on a celle-ci. Et maintenant, j'ai trouvé, puisque j'ai une amie qui a des doigts beaucoup plus fins que les miens. Moi, j'ai quand même des doigts assez larges. Elle, elle a des doigts beaucoup plus fins que les miens. Et du coup, je lui refile mes boîtes du moment que je les ai mis. C'est elle qui récupère. Et ensuite, alors celle-ci, j'ai eu un gros coup de cœur, mais il n'y en avait plus qu'une. Je l'ai prise. Hop. Vous voyez, on a du... Je trouve ça un peu sexy, un peu... Ça super joli, ça fait bien travailler, ça fait chic. J'ai beaucoup beaucoup apprécié. Ça c'est les Kiss The Collection. Et ensuite 3 boîtes d'Impress. Donc on les reconnaît, elles sont beaucoup plus petites. Hein. Alors ceux-là, je les ai déjà eu, c'est pareil, c'est les corail comme ça avec les petits accent nail blanc avec des perles. Un rose classique mat avec les accent nail paillettes pardon, dans les roses, dans les tons de rose. Et puis ici, un top avec les accent nail un peu champagne. Voilà pour ça. Je suis très très contente. Et là, je peux vous dire que j'ai un backup pour quelques mois. Donc, j'aurai pas de commande à passer... du tout cette année, à mon avis, les prochaines commandes, ça sera au printemps l'année prochaine. Donc, franchement, je profite, moi, quand c'est comme ça, quand il y a des 25%, déjà, j'en profite.
Et c'est très très rare qu'ils font des 50%. Et là, 50%, je suis sautée dessus. Là, actuellement, il y a encore 50%. Mais il y a presque plus de stock, en tout cas dans ce que moi je commande. Donc voilà. Et puis là, j'ai de quoi faire. Voilà pour ça. Je vous reprends peut-être tout à l'heure. Nous verrons. Je suis de retour. Il y a eu une faille entre la dernière séquence et là. Ça, on remercie Dame Nature. Là, on remercie la petite bête qui m'a piqué. Je suis en robe double gaze comme ça, bleue, qui vient de chez 17 Store parce que j'ai très chaud. Coiffure très approximative parce que je suis en train de faire la popote depuis tout à l'heure. Ce soir, on reçoit. Donc, j'ai fait ma pâte à pizza. Donc, soirée pizza. J'ai fait ma pâte à pizza. J'ai préparé un petit peu les condiments. J'ai fait un petit peu de mise en place. Et j'ai préparé des petites choses en apéritif. J'ai fait des brochettes, tomates cerises, boules de mozza. J'ai fait des olives. Enfin, j'ai pas fait des olives, non. Enfin voilà, j'ai mis en place des chips, des olives, des petits dés de gruyère, des petites choses comme ça. Et en dessert, j'ai mes donuts qui sont en train de prendre au frais. Ils sont cuits. Là, je suis en train de former ma coque en chocolat. Et puis après, j'aurai plus que ma petite déco à faire au-dessus. Et puis, ça sera pas mal. J'ai reçu encore deux colis ce matin, je vais vous montrer ça rapidement. Et puis, ma foi, c'est tout. Il fait très très lourd, mais il y a un petit peu de vent, donc on va pas se plaindre. On va prendre l'apéro dehors. Il y a peut-être même des chances qu'on mange dehors quand même, parce qu'il fait vraiment bon. Piu-piu fait la sieste, et heureusement parce qu'il est très très fatigué, puisque hier soir, nous sommes rentrés du resto avec belle-maman. Il était aux environs de minuit. Donc forcément, hein, le lendemain, c'est toujours un petit peu dur, donc je le laisse se reposer. Je vais vous montrer ça. Ça vient encore de Zalando. Donc, j'ai trouvé l'ensemble champion de mon grand. Je l'ai pris en vert olive. J'aime trop. Franchement, c'est pas une couleur qui est ordinaire et j'aime vraiment beaucoup. Donc, tout simple en molleton comme ça. Avec le champion comme ça sur le côté. Je lui ai pris en 11-12 ans, mais il taille grand. Donc ça va aller. Je pense même qu'il pourra l'avoir pour 2 ans. Et puis le haut, tout simple pareil, hein, avec hop, l'écriture champion, capuche. Voilà. Et les petites poches, lui, il adore, hein. Les poches comme ça devant. Écoutez, ma foi, je suis très contente. Ça, c'est sur Zalando. Ensuite, j'ai reçu enfin, parce que ça, elles ont été longues quand même à arriver, les petites baskets de mon Piu-Piu. Donc, je lui ai pris des Adidas Retropie F2 en 24. C'est de la toile. Enfin, là, c'est vraiment pour de la mi-saison. Ici, c'est de la toile. Après, le reste, c'est du cuir. Mais. Voilà, ils sont trop choux. Ça, c'est très très bien pour tous les jours, ça ira parfaitement. Voilà pour mettre avec son petit jogging Adidas. Il va être tout beau, mon piou-piou. Et alors, moi, j'ai eu un méga méga coup de cœur pour des baskets Vanessa You en 39. Elles étaient à 70 euros.
Moins 50%. Et alors là, The Coup de cœur. Je les avais jamais vus avant. Regardez-moi cette beauté. Oh, elles sont trop, trop, trop belles. Trop belles. On a un genre de pli ici. Les finitions, elles sont exceptionnelles. Elles sont trop jolies. Je mets un méga coup de cœur pour ces chaussures, quoi. Ici, c'est comme s'il y avait des plis. Oh, je les adore. Je les adore. Voilà. Ça, c'est, ça c'était pas prévu, mais alors ça, c'est le méga, méga coup de cœur. Voilà. Et puis là, écoutez, je pense qu'on va être pas mal question réception. Je ne dois pas recevoir grand-chose. J'ai encore ma commande de petit béguin qui doit arriver. Et puis ça se termine quand même. Ouais, ça se termine. Donc voilà. Voilà, voilà. Je vais. Hop là, je vous décroche. Je vais vous montrer un petit peu ma pâte. Je ne suis pas peu fière de ma pâte. Hop, regardez-moi ça. Elle est belle, elle est toute gonflée. Mmh, ça va être trop bon. Ça va être trop, trop, trop bon. J'ai mes petits donuts qui sont en train de prendre, comme je vous ai dit. Donc ça, je vous montrerai une fois qu'ils seront terminés. Et puis, écoutez, on n'est pas trop mal. J'avais fait une liste de choses à faire et ça a relativement bien avancé. Ensuite, je me suis trouvé quand même pas mal de robes d'été. Et franchement, j'ai flashé un peu trop souvent, mais j'ai flashé. Et du coup, je sais plus ce que j'allais dire. C'est triste quand même. Mais du coup, oui, enfin, si, c'est ça. Je ne vais pas vous les montrer en haul. Je vais vous les montrer dans des tenues du jour. De toute manière, je pense quasiment toutes les prendre pour aller en vacances notamment. Donc voilà, dans tous les cas, je vais les porter avant les vacances et je vous les montrerai au pire aussi pendant les vacances. Et puis voilà, voilà, voilà. Et j'ai reçu encore plein d'autres choses parce que tout ça, je renvoie. Des robes que j'ai prises sur Zalando, que je renvoie, que ça ne va pas. Ensuite, tout ça, ce sachet-là, il est rempli de boîtes comme ça. Donc, ce soir, j'ai une copine qui vient. Je vais lui en proposer. Demain, je vois ma meilleure amie. Je vais lui en proposer. J'ai une amie de Paris qui en a déjà réservé. Donc, je vais lui préparer son petit paquet. Et puis voilà, j'avais mis un petit post sur Insta pour celles que ça intéresse. Sachant que toutes les boîtes, il y a 10 ongles qui manquent, donc il en reste 20 sur les 30 initiaux. Donc il y a largement de quoi faire une pause et le sachet est rempli, rempli. Moi j'ai de quoi faire. Donc je préfère faire plaisir. Et puis, écoutez, ma foi, c'est pas mal. J'ai encore des choses sur Vinted à mettre. Femme et bébé. Mais on verra ça. Là, on est samedi. Je suis encore à la maison jusque mercredi inclus. Donc, j'aurai largement le temps. Et puis, si j'ai pas le temps, ça sera fait plus tard. C'est pas gênant. Et je dois encore aussi voir mon planning. Parce que je devais avoir des congés début août que je n'ai pas. Et du coup, je dois voir parce que la crèche est fermée. Enfin, voilà. Enfin, la crèche, je sais depuis longtemps qu'elle est fermée. Mes congés qui sont annulés, ça, je le savais pas. Donc, enfin, qui sont annulés, je le savais pas. J'ai pas le droit de poser en même temps que ma responsable. Donc, j'ai des dates qui ont sauté. Et donc, il faut que je m'organise pour mon petit. Voilà. Donc, on va voir avec les papis, mamie, la tata. Et on va essayer de faire ça au mieux. Et puis,
C'est tout. Je vais aussi vous filmer ma routine soins du moment, mais c'est pareil, on verra ça la semaine prochaine si j'ai le temps. Et puis, c'est tout. Je reviens tout à l'heure. Peut-être vous montrer mes donuts et je pense qu'après je clôturerai ce vlog. Je vous fais des bisous. Bonjour. Bonjour et il boit la tasse. C'est bien les garçons. Bon allez, je le fais une fois. Bon, je vous reprends avec une tronche. On est mardi 26 juillet. Il y a encore une faille spatio-temporelle entre la dernière prise et là. Bon, après, c'est du daily vlog, hein, c'est pas un vlog une journée. Donc, ça me va. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu ce que je porte. Ma petite chemise de l'amour, coup de cœur, Tommy. Elle est trop belle, j'aime trop cette chemise. Et puis là, il fait moche, il fait tout gris, il fait pas très froid, mais il fait gris. Donc j'en ai profité, je vais aller faire le soin des cheveux et tout, et puis préparer, parce que ce soir, c'est apéro avec des amis. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation à faire. Mon grand est là, il voulait tondre la pelouse, mais nous n'arrivons pas à démarrer la tondeuse. C'est super, par contre on va nettoyer le spa pour le remplir. Et puis voilà, j'ai encore reçu des commandes aujourd'hui. J'ai reçu une commande H&M pour moi et une commande Camailleux. Mais ça c'est déjà parti à laver, vous verrez dans les petites tenues du jour. Et puis j'ai reçu aussi la petite commande Petit Béguin. Pour mon petit, et je vais vous montrer, j'ai tout pris en 4 ans, il va pas le porter tout de suite, mais voilà, j'ai anticipé plutôt pour cet hiver, voire le printemps prochain, mais là j'avais pas envie d'acheter pour là finir la saison, ça m'embêtait un petit peu, donc j'ai pris 4 ans. Et il y a des choses trop mignonnes. En fait, j'ai toujours, hop, l'habitude de commander chez Petit Béguin pour les ensembles, me revoilà, pour les ensembles pour aller à la crèche, parce que je trouve qu'ils sont hyper confort, et voilà, il y a toujours des petits dessins comme ça, super mignons. Donc là je lui ai pris celui-ci, hop, avec le pantalon comme ça. Donc en fait c'est toujours des ensembles, il en a déjà 3 ou 4 que je lui avais pris fin d'année dernière, je crois. Il a fait tout l'hiver avec. Voilà, ça pour faire quand ils font la mobilité, les trucs comme ça. Franchement, c'est top, top, top. Voilà pour le premier ensemble. Comme ça, tout ça, ça va pouvoir aller au lavage aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Alors, ensuite, cette petite chemise... Oh, mignonne en jean, elle est assez légère. On a le bouton ici pour pouvoir la remonter. On a le petit détail de la poche, je la trouve trop mignonne. Donc voilà, 4 ans aussi. Pour la commande complète, j'en ai eu pour 70 € à peu près. Donc pour cette marque, ça va. Alors, par contre, je trouve pas la qualité hyper folle de Petit Béguin. Mais franchement, ça fait l'affaire quand même, ça va. J'ai flashé sur ce pantalon-là avec le rebord comme ça. Je vais vous montrer après, hein. J'ai pris l'ensemble. Voilà.
taille élastique, ça fait un peu style décontracté, quoi. Hop. Voilà, donc 4 ans. Donc ça, c'est sûr, ça sera pour l'année prochaine parce que là, il met vraiment du 3 ans, 3 ans. Donc, toujours avec mes histoires d'ensemble, moi. J'ai pris ce polo-là bleu comme ça pour aller avec parce que je trouve que ça va très bien. Il est un peu gaufré comme ça. Je le trouve super mignon aussi. La qualité est pas mal, hein. Franchement, celui-là, il est pas mal, pas mal. Et puis, pour aller avec ce pantalon-là aussi pour printemps l'année prochaine, j'ai pris la chemise comme ça en lin. Elle est magnifique, mais magnifique, magnifique, magnifique. Là, la qualité, elle est juste dingue. Je la trouve trop, trop belle et franchement, l'ensemble, magnifique, quoi. Hop. De toute beauté. C'est de toute beauté. Voilà, ça, j'ai flashé et c'est à cause de ça que j'ai passé commande et que j'ai ajouté tout le reste. Donc voilà. C'est une petite bricole, hein, mais voilà. Trop, trop mignon. Pour l'année prochaine, il va être trop canon. Voilà les petites nouvelles, les nouveautés. Je m'en vais. J'ai un petit peu de paperasse à faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est officialisé, mais je vous en parlerai après nos vacances plutôt. Ou pendant nos vacances, ou bientôt. Mais c'est cool, c'est une très bonne nouvelle. Donc ce soir, on boit un coup. Et voilà. Donc là, je vais préparer. Ah, ça, c'est le Namour qui m'appelle. Je refuse, mon amour. Je te rappelle. Voilà, je vais faire mes prépas. Je vais profiter de mon grand aussi un petit peu. Là, aujourd'hui, on a mis le petit à la crèche. Hier, on a passé la journée tous les trois et on est allé à une ferme pédagogique l'après-midi. Et c'était sympa, les enfants ont adoré. On donne à manger aux animaux. On l'avait déjà fait l'année dernière, mais forcément, Jaden était plus petit. Et là, là, on l'a fait à fond. Donc, avec ma meilleure amie, je vous mettrai des petites photos. Des petites vidéos qu'on a prises hier. C'était super sympa. C'était un bon petit moment. Et puis après, ils sont venus à la maison, etc., etc. Donc voilà, je la vois pas beaucoup parce qu'elle habite à Toulouse. Mais quand elle est là, j'essaye de la voir le plus possible parce que c'est mon petit bijou à moi. Et ses zouzous, ses enfants, encore plus, encore plus. Bon, bref, donc aujourd'hui, on fait ça. On va s'occuper un petit peu de l'extérieur, etc., avec mon grand. Préparer pour ce soir. Boire un coup. Et puis, ma foi, voilà. Demain, pas grand, grand chose de prévu. Il faut aussi que j'aille à Ziman pour retourner des articles et voir s'il y a des petites nouveautés. Mais ça, je vais y aller avec mon grand parce qu'il aime bien aller là-bas. Et puis comme ça, il choisit s'il aime quelque chose et tout. Donc forcément, ça lui plaît énormément. Parce que oui, à 8 ans, on choisit tout. On a des goûts bien arrêtés sur ce qu'on veut pas. C'est... Voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce petit vlog. Je reprends le boulot jeudi pour 3 semaines. Et puis après, ce sera les vacances. Mais je vous reprends bientôt. On va voir. On va voir. Et j'ai une. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce que tu fais? Pardon. Donc voilà, on va faire des petites choses. J'ai mon grand, il est là en t-shirt, il a plus de bas, je sais pas ce qu'il fait. Bon, c'est pas grave. Mon repas. Tu te reposes. Et t'as quoi dans la bouche? Un chewing-gum encore? Nourris de chewing-gum cet enfant. Bref, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis à très vite.